Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jeudi 2 juin 2016, donc pour ce petit Daily Orbit. On va aller vite fait sur les maps, voir ce qu'on y trouve. Excusez-moi, je vais répondre un petit peu aux questions qui m'ont été posées. Alors attendez, tac tac, ça c'est fait, on met ça comme ça. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est? Donc le mec a aucune répartie à part insulter les joueurs minables derrière son écran. Je sais pas de qui tu parles, si tu parles de moi ou pas, vu que c'est sur une ancienne vidéo que t'as commenté ça, dans la piscine, ça date quand même d'un an et demi. Donc écoute, j'ai pas envie de me retaper la vidéo, je sais pas trop, peut-être que c'était les gens qui étaient sur le chat ou autre. Enfin bref, si c'est pour moi, écoute, why not? Why not, why not? Blob, pourquoi tu ne streams pas? L'interaction avec tes abonnés serait génial. Alors comme j'ai déjà dit, et j'ai déjà répondu à ça en fait, pourquoi je stream pas? Tout simplement parce que je n'ai pas la connexion nécessaire pour pouvoir streamer. Voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Je ne peux pas streamer, la connexion est trop faible. En plus, comme je l'ai dit, lorsque vous arrivez sur Twitch, au départ, vous êtes en mode source. Donc en fait, tout le monde ne peut pas profiter pour voir le jeu. Donc c'est assez complexe, et ce qui fait que du coup, c'est un peu le bordel. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas streamer. Enfin, même avec un boîtier 4G, en fait, ça ramerait, enfin, pas que ça ramerait, c'est juste que ce serait pas agréable à regarder parce qu'il y aurait des petites latences, donc ce serait pas forcément cool. Weezy Mex, waouh, il est trop fort là. Pourquoi mettre une IEM maintenant? Tu veux absolument le... Tu veux absolument ça ou pas? C'est quoi le délire? Alors toi, vu que tu me tapais dessus, je parie que tu vas fuir. C'est obligatoire que le mec va fuir là. C'est sûr et certain, non? Tu vas pas fuir? Je sais pas pourquoi. Honnêtement, ça te ressemblait bien de fuir. Ah ouais, bien sûr. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est exactement ce que je pensais. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, cette personne-là. Du coup, what the fuck, comment tu butes les Devolarium en mode aucun respect? Bah, c'était le but du record en fait, poster ça sur la vidéo alpha. C'est le but en fait de faire un record tout simplement. C'est pour ça que bah, les Devos étaient en mode X4, X6 pour que ça aille bien plus vite, c'était bien plus pratique. Honnêtement, même si on n'a pas réussi à avoir le record sur l'alpha, qu'on retentera sûrement un de ces quatre, je pense qu'il est prenable. Honnêtement, il est tout à fait prenable. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, et la vidéo Ask Me abandonnée? Non, elle n'est pas abandonnée. Il faut juste que je prenne le temps de la faire. C'est aussi simple. Il faudra que je repose les questions, comme je vous l'ai déjà dit, parce que c'est vrai que sur l'autre vidéo, le temps que je la retrouve, etc., ça va être un peu chiant. Et on fera les questions via Twitter. Ce sera beaucoup plus simple avec un hashtag. Comme ça, j'aurai vraiment toutes les questions sous les yeux sans avoir besoin d'aller chercher tout le temps à droite, à gauche. Salut, Parra. Je voulais savoir comment tu fais pour faire autant de vidéos alors que ce n'est pas avec ton nombre de vues que tu peux en tirer un salaire. Donc quelqu'un répond en dessous, il y a un travail à part et le montage n'est pas si long que ça, donc dans son temps de loisir. Eh bien exactement, je sais pas, tu as très bien répondu pour moi, c'est exactement ça. Il faut savoir que par exemple pour faire une vidéo de ce style, il faut à peu près une heure grosso modo pour pouvoir la faire. Ensuite il faut la mettre en ligne, etc. Donc bon, après quand vous mettez en ligne, vous pouvez largement faire autre chose à côté, donc c'est l'avantage en fait. Donc voilà à peu près pour vous situer. Donc c'est tout simplement pendant le temps libre. Les vidéos que tu vois par exemple sur les maps maudites, etc., c'est dû enregistrer à l'avance, hein. c'est pas fait le jour même, c'est enregistré et voilà, ça sort quand ça sort, quand j'estime que c'est le moment de la sortir. Là je viens de tourner la deuxième du coup, et elle sortira, que je vous dise pas de bêtises, demain à 14h. Je pense qu'on la planifiera demain à 14h pour la deuxième vidéo du coup des maps maudites. Ensuite, c'est le paradoxe, tu devrais essayer de te mettre en anneau pour la prochaine vidéo, même si ta vitesse en est diminuée. Vu la vitesse que tu as pété la dernière fois, lol, ça te laissera peut-être un peu plus de temps. Alors attends, là on a un client, ça laissera peut-être un peu plus de temps. Alors je pète juste lui et je termine de lire ta question. Putain, mais les gens ils sont tous en anneau quoi, c'est vraiment, c'est insane. C'est insane, le gars il va tout claquer là. C'est sérieux quoi ça? Parce que c'est hyper méga relou là. Ah ouais, parce que je me dis, je veux bien être gentil, mais là c'est lourd quoi. Ah oui, d'accord, mais c'est double anneau sans respect quoi. C'est du sans respect. Alors attends, excuse-moi. La dernière fois, ça te laisserait peut-être plus le temps de voir venir. Après, je me trompe peut-être et cela ne changera absolument rien sinon la vidéo. Comme d'hab, bonne continue à toi. Oui,
puis c'est vrai que bon, je pourrais mettre deux anneaux, enfin je pourrais mettre ma speed en anneau, mais je vois pas trop l'intérêt en fait. Enfin, pour moi j'aime bien démarrer avec un peu plus de points de vie, donc avec la cœur. Voilà, double anneau, pour moi elle est réservée à la UBA en fait. Sinon, ouais, j'ai cœur anneau en général, c'est les formations de base, l'anneau sur la tank et la cœur sur la speed. En général c'est comme ça que je démarre. Salut Para, pour commencer, super vidéo. Ensuite, je pense personnellement que tu aurais pu gagner certains du lieu en essayant de mieux passer tes formations. Tu n'utilises quasiment jamais ton anneau en fight alors que tu la recharges exprès, c'est vrai. Selon moi, tu aurais pu gagner certains fights si tu l'as passé au lieu de la cœur. Sinon, sur ce, bonne journée à toi. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, je veux passer l'anneau, mais je change de config avant. Donc, du coup, en fait, ça fuck up tout, quoi. Voilà, ça arrive parfois. C'est pas très très grave. Comme je dis, sur 2-3 du qui se sont passés donc hier. Parce que c'est par rapport à la vidéo d'hier que tu fais ce commentaire-là. C'est juste parce qu'il me manquait un bouclier instantané, en fait. Non, je pense que c'est ce qui me manquait. Un petit bouclier instantané aurait fait la diff, et je pense qu'on pétait les gens assez aisément. Pourrais-tu faire une inva en full LF3 pour changer? Très belle vidéo, continue comme ça. En fait, tout simplement, pour te répondre, je n'ai plus d'LF3 sur ce compte-là, en fait. Pour moi, tous les LF3, ils ont été vendus. Enfin, je vois pas l'intérêt, je suis largement assez d'LF4. Donc j'ai pas vraiment d'intérêt à vendre mes enfin à garder mes LF3. Donc du coup c'est pour ça que je les ai vendus. Poste ta vidéo sur le site flashmytube.com, la nouvelle plateforme pour les youtubeurs. Non merci, ça va aller, YouTube est très très bien et assez développé, ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin de faire ça pour l'instant. Je sais que tu as peut-être pas envie, mais je demande quand même. Essaye de faire des invas avec un mec que t'apprécies dans ton serveur, ça peut être cool, 2v2 voire 2v3. Ça changerait un peu, désolé s'il y a des fautes. Je suis de ton avis. Ouais, tout simplement, il n'y a personne en fait avec qui j'aime bien jouer sur le FR4. Donc ça règle le problème. Je vous l'ai toujours dit. Sur des hauts, il y a une époque où je jouais avec des gens, après. Moi, j'ai pas forcément l'envie, j'ai pas forcément les mêmes horaires aussi que les gens. Donc c'est pour ça, dès que j'ai envie, moi je record une vidéo dès que je peux. La personne ne sera pas forcément disponible en même temps que moi, donc voilà, c'est un peu au feeling, donc voilà. Pour ça, non, après sur des MMORPG, oui, il y aura plus de personnes, donc il y aura des TS, etc. Ce sera bien plus simple. Lol, le petit bouclier instantané qui manque, c'est vrai, c'est souvent ça. Salut, ça a été tourné aujourd'hui, donc en fait, les gens qui demandent tout ce qui est les Daily Orbit, si elles sont tournées le jour même, elles sont toutes tournées le jour même. C'est le but des Daily Orbit, en fait, c'est de se connecter le jour même. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors attends, parce que là on a un Rex, on a potentiellement, on a que le Rex là. What? Tu dois forcément avoir ton maître quelque part. Donc, ton maître qui se balade vers le haut, qui va repartir au portail soon, je suis sûr. Qui c'était? Ah, c'est le petit vengeance de tout à l'heure, vous vous souvenez de celui qui fuit comme une tentouse là. C'est lui, c'est le fameux furieux, c'est le fameux furieux. Donc oui, elles sont tournées tous les jours. Alors salut à toi, tout d'abord merci à toi pour cette vidéo de Déo. Je viens de découvrir ce jeu grâce à toi et je suis devenu accro. Continue comme ça, tu viens de gagner un abonné. Eh bien merci à toi, c'est gentil. Et puis voilà, si le jeu te plaît, tant mieux. Après si tu verras que tu peux arriver à des phases aussi, tu peux avoir certaines lassitudes, on va dire. Voili voilou, j'ai lu à peu près tous les commentaires qui ont été postés entre hier et aujourd'hui, comme ça permet un peu de répondre aux gens, c'est plus simple parce que j'ai pas forcément le temps de répondre à tous les commentaires en écrivant. Donc c'est une solution. Bon, on va dire du coup que cette inva a été, comment dirais-je, assez compliquée. Pas grand chose sur les maps, on a pété une personne en 2-6, une personne en 1-6. Bon, après un vengeance qu'on aurait pu avoir, mais la gelante n'a pas daigné passer. Donc c'est un peu compliqué. Ah oui, et je vous disais aussi, cette vidéo, vous savez ce qu'on va faire, on va craft des IEM. Alors, je voulais parler vite fait de l'assemblage, vous voyez, on va prendre deux petites minutes. L'assemblage, du coup, maintenant, il y a des items qui sont, comment dirais-je, permanents dans l'assemblage. Donc, vous avez les munitions X3, les IEM, voilà, les Storm Launcher, le robot, le CPU Jump, les CPU emplacement, le Bastion et le Rex que vous pouvez crafter, en fait, grâce à tout ceci. Voilà, le Rex, c'est assez simple de le crafter, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Vous pouvez le crafter assez facilement pour tous ceux qui veulent bien. Le plus chaud, c'est le plasmine quand même à récupérer. Pour ceux qui se demandent d'où ça vient tout ça, alors le mucosum, il y avait la quête des 300 siboniques qu'il fallait faire. Vous en tuez 300 déjà, vous récupérez 1000 mucosum, vous récupérez aussi un peu de tout. J'ai fait toutes les quêtes en fait qui concernent l'assemblage, et puis après j'ai fait du cristallon pour récupérer du prismatium. Et puis après j'étais aussi sur un mode 4-5 où j'ai fait quelques Uber, donc du coup ça a ramassé un peu de tout. Du coup, on va crafter quelques IEM. Vous voyez, tant qu'on y est, alors le clic risque d'être chiant pour vous, mais c'est pas grave.
faut faire avec. Dommage si tu restes appuyé, ça marche pas. Dommage. On va en crafter quelques-unes, hein, je pense. Bon, ok, on va peut-être pas faire comme ça. On va en mettre 120, ça passe. Il faut 600 glucosone, bon, on peut en mettre plus. 150. 1800, 750, on peut encore en mettre. 165. 1901, on peut encore en mettre. 180. Ah, on peut en mettre plus. On peut en mettre plus. 200. 200, ça passe. 1000 et 2400. Ok, donc 220. 220, ça passe encore. 230, peut-être. 230, ça passe encore. 240. 240, ça passe encore. On va le faire au clic, parce qu'à mon avis, ça va être tendu. Temps d'arriver à 3000. 3109, dès qu'on y est, c'est bon. On va pouvoir se crafter quelques petites IEM. Là, ça fait plaisir. Ok, pile poil, 259 IEM. Boum. Non mais furieux, tu fais quoi? Je suis en train de crafter mes IEM, s'il te plaît, quoi. Mais s'il te plaît, je récolte. Vous avez reçu 259 mines de type IEM 01. Et voilà, 259 IEM de crafter. Donc vous voyez, l'économie, c'est 500 l'IEM. Alors, je n'ai pas le téléphone sur moi. Est-ce que ce clavier fait calculette? Il me semblait qu'il le faisait quelque part, mais je ne sais plus. Bref, donc on a crafté 259 IEM. Donc c'est plutôt rentable à 500 Iridium unité, c'était plutôt cool. Donc voilà ce qui est un peu qu'il faut retenir là-dessus. Voilà pour ce qui est de cette petite vidéo du coup du jour. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des questions sur l'assemblage, sur certains types de matériaux, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.